Tu es sûr que tu ne veux pas boire une tasse de thé avec moi? Il est déjà tard et j'ai peur que le café t'empêche de dormir. Non, rien ne m'empêche de dormir, maman. Je veux bien un petit café. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me voir. S'il n'y avait pas eu cette fête à l'hôtel, tu ne m'aurais toujours pas donné de nouvelles. Ouais, tu as raison. Je suis désolé d'être un si mauvais fils. Je suis venu parce que j'ai appris que tu avais parlé à Felipe. Et que tu lui as dit qu'il devait changer de comportement vis-à-vis de moi et de la société. J'aimerais savoir si tu lui as vraiment dit ça et si tu le penses. Oui. Oui, je le pense vraiment. Felipe est très contrarié par cette situation difficile que vous traversez. Lorenzo, Felipe est un homme bien. Tu devrais le voir comme un allié et non comme un ennemi. Ouais, peut-être qu'il y a réfléchi et qu'il va changer. Je suis absolument certaine que tout va changer à partir de maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Rien, c'est juste que ça me surprend que tu sois le président de la société. J'ai toujours voulu le mieux pour toi, mais je n'aurais jamais cru que tu irais si loin. Tu dis ça parce qu'avant, j'étais inutile, c'est ça? Non, je n'ai jamais pensé ça, Lorenzo. Simplement, j'étais convaincue que Felipe ressemblait beaucoup plus à Antonio. Mais en fait, je me rends compte maintenant que c'est tout le contraire. C'est curieux. C'est exactement ce que j'ai dit à papa le jour où on est allé jouer au golf. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était très surpris. Comme toi. Oui. Je suis très surprise. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, Lorenzo, ne fais pas attention. Depuis que ton père est mort, je suis à fleur de peau. C'est tout. J'étais en train de parler avec Lorenzo. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune raison de ne pas te faire confiance. Tu crois que tu l'as convaincu? Je pense que oui. Quand est-ce que tout va commencer? Assieds-toi, maman. Aujourd'hui, tout devrait très bien se passer. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Toutes les personnes impliquées sont convaincues que tout sera fini une fois qu'on aura arrêté Benitez, Veronica et mon frère Lorenzo. Aie confiance. Je suis certain qu'on va y arriver. Ne t'en fais pas, je te tiens au courant. Mon chéri, je voulais te dire ce que je pense du fait que tu veuilles vendre la société une fois que justice sera faite. Et je suis d'accord. Et pourquoi? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que la société, c'est matériel, Felipe. Et regarde tout ce qui s'est passé à force de s'attacher aux biens matériels. Ton père, par exemple. Il avait de l'argent, mais il n'était pas heureux. Donc tu voudrais que je vende la société quand nous l'aurons récupérée? Je ne veux pas savoir ce que tu vas faire de la société. Ce que j'aimerais, c'est que tu te soucies des choses qui sont réellement importantes, comme Natalia. Maman, elle va quitter l'île dès que tout sera fini. Et il n'y a rien que je puisse faire contre ça. Felipe, écoute-moi parce que je te dis ça en connaissance de cause. Si tu aimes Natalia et que tu es heureux avec elle, ne la laisse pas s'en aller. Si tu dois aller jusqu'au bout du monde pour elle, alors vas-y. N'attends pas d'avoir mon âge pour regretter toutes les choses que tu n'as pas faites. Merci, maman. Merci. Merci pour ton conseil. On
On devrait partir quelque part pour fêter ça. Le week-end prochain, ce serait pas mal, non? Avant toute chose, attends de voir si tout se passe bien avec Ibera et ensuite on verra. 240 000 dollars, Véronica. J'ai jamais eu autant d'argent de ma vie. Surtout en liquide. C'est le meilleur côté du business. Tu ne dois pas vérifier la marchandise? À tout hasard. Pourquoi? L'avion, c'est le mien. Il partira quand je le dirai et pas avant. C'est quoi le souci? J'ai pas envie d'entendre une mauvaise nouvelle, c'est tout. Mets tes mauvais pressentiments de côté, tout va bien se passer, je te dis, fais-moi confiance. C'est Felipe. Allô? Salut, Véronica. Salut, Felipe, y a un souci? Oh, non, tout va bien, pourquoi tu demandes ça? Parce que je ne pense pas que tu appelles juste pour me dire bonjour. Écoute, j'aimerais qu'on se voit aujourd'hui, si c'est possible. Pourquoi ça? La dernière fois qu'on a parlé tous les deux, c'était tellement agréable que ça m'a suffi, je t'assure. Véronica, je n'ai pas été sympa avec toi, je le sais, et je suis vraiment désolée. Oui. Tu m'as fait me sentir misérable alors que tout ce que je voulais, c'était que les choses s'arrangent entre nous. Eh bien, pour te montrer que je suis sincère, je suis prêt à t'envoyer l'argent que tu m'as demandé. Enfin... Si tu en as toujours besoin pour ton affaire. Bien sûr, oui. Comme je te l'ai dit quand on s'est vu, je n'ai pas assez d'argent pour verser mon investissement initial. Eh bien, je te les donnerai si on se voit. Je peux passer chez toi, si tu veux. Oh, non. On n'a qu'à se voir au centre commercial. Je dois acheter quelque chose et j'en profiterai pour te parler. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais si on se voit dans une heure à l'entrée principale? Oui, parfait. Je t'attendrai. Felipe est définitivement l'homme le plus stupide qui existe au monde. Tu vas me manquer, mon amour. Tu aurais dû venir avec moi. On aurait passé tout notre week-end à la plage. On aura suffisamment de temps pour ça. Pour l'instant, tu dois faire en sorte que tout se passe comme on l'a prévu. D'accord? Bonne chance. Je n'en ai pas besoin. Lorenzo vient de partir pour l'aéroport avec ses bagages. Très bien. Ça veut dire qu'il est temps de commencer. On se voit plus tard, Ivan. Lorenzo vient de partir pour l'aéroport. On y va. J'ai déjà tout préparé. Tu es nerveuse. Si tu savais, Frankie. Promets-moi que si quelque chose tourne mal... Écoute-moi. Écoute, tu t'es poignardée toi-même. Tu as fait semblant d'être morte. Ça, à côté, c'est une formalité pour toi. Comme l'a dit David, la justice est de notre côté, alors rien de mal ne peut t'arriver. En tout cas, promets-moi que si on ne se voit pas avant que tu partes de l'île, préviens-moi dès que tu arrives quelque part, je viendrai te rendre visite. Je te le promets, Frankie. Prête? Bien. Frankie, finis de ranger l'appartement et laisse la porte ouverte en partant au cas où on soit obligé de revenir en urgence. Ok, d'accord, ça marche, je le ferai. On y va. Frankie, merci pour tout. Je sais que ça n'a pas été facile. Ce n'était qu'une formalité. Oui. Je t'aime. Moi encore plus. Natalia. Bon. Oui, j'arrive. En train de toi. Tout ça. Si je n'arrive pas à te remonter le moral, même avec tout ça, alors j'abandonne.
Je sais pas, mais tu ferais mieux de rester là, ok? Je vais voir. Salut, Gabriella. Gabriella, c'est Diego. Salut, Diego. Désolée, mais je n'étais pas présentable. Mais je te trouve parfaite. Monica m'a dit que tu étais là. Mm-hmm. Et j'ai amené plusieurs donuts parce que je ne savais pas lesquels tu préférais. Alors, fais-toi plaisir. Merci. Et Gabi et moi, on était en train de regarder un film. Tu veux venir? Salut, Moni. Salut. Eh ben, si c'est pas une comédie romantique, alors ça me va. J'accepte. Ces donuts ont l'air délicieux. Oui, il y a plusieurs goûts. Ah, tu veux boire un truc? Oui, merci. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes quoi? Je vois que tu marches super bien sans ta semelle. J'avais même oublié pour ta jambe. Quoi? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Charlie, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler. T'es où, Frankie? Je vais raccrocher. Non! Non, s'il te plaît, ne raccroche pas. D'accord? Si tu ne peux pas me dire où tu es, ne me le dis pas, mais... On peut parler, d'accord? J'ai besoin d'entendre ta voix. On n'a plus grand-chose à se dire. Mmh. Et justement, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de penser un peu à moi. Ah! Est-ce que tu vas m'épouser, Frankie? C'est justement une des choses auxquelles je dois réfléchir. Ah. Tu sais, Frankie, écoute-moi, si c'est à cause de la drogue, je vais arrêter le business et tu verras. La nuit où tu étais au bar et que tu m'as appelé, tu m'as dit que tu n'étais pas prêt à abandonner ce que tu avais eu tant de mal à avoir. Oui, oui, je m'en souviens parfaitement. Mais je pensais pas que tu allais me quitter, Frankie. Et tu sais quoi? Maintenant, tout va être différent. Différent comment? Différent parce que... Parce que je vais bientôt donner toute la drogue à mon associé, toute la marchandise et ensuite... Je garderai juste le bar, c'est tout. Et est-ce que tu es prêt à te rendre à la police? Non. Non, Frankie, je peux pas faire ça, désolé. Est-ce que tu as l'intention de me dénoncer? Non, Charlie, tu sais bien que je ne ferai jamais ça. Je voulais juste savoir jusqu'où tu étais prêt à aller, c'est tout. Frankie, écoute-moi. Pourquoi tu rentrerais pas? On pourrait parler. Je suis absolument persuadé que si je t'explique comment ça fonctionne, tu te rendras compte que ce n'est pas aussi terrible que tout le monde le dit. Je vais raccrocher. Non, non! Frankie! 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 Désolée, je suis un peu en retard. Non, aucun problème. Comment tu vas? Un peu surprise par ton soudain changement d'attitude. Je comprends. Mais ce que je t'ai dit au téléphone était vrai.
Je veux que les choses s'arrangent et j'aimerais te prêter cet argent. En échange de quoi exactement? Rien qui sorte de l'ordinaire. D'ailleurs, je ne te prête pas cet argent en étant intéressé. Tout ce que je te demande, c'est de me rembourser un peu tous les mois. C'est tout. Ouais, d'accord. Ça me paraît bien. Et où est-ce qu'il est, cet argent? Ah, j'ai mon chéquier dans la voiture. Tu es venu en taxi, c'est ça? Oui, je pensais que tu aurais l'argent avec toi. Oui, j'ai déposé mon sac de course dans la voiture et j'ai aussi laissé mon chéquier. Allons-y. Ma voiture est garée au parking. Tu viens? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que tout ça est vraiment bizarre. D'abord, tu ne veux pas qu'on se voit chez toi, mais ici et maintenant, dans ta voiture. Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Tu es très méfiante avec moi. Alors, on y va? C'est un téléphone prépayé. Tu l'utilises seulement si tu as besoin de communiquer avec l'un d'entre nous, d'accord? Si tu veux appeler Benitez, surtout tu l'appelles avec le portable de Véronica. Oui, je le sais déjà. Natalia, je sais que cette situation te rend un peu nerveuse, mais j'ai quelque chose à te demander. Il faut absolument que tu arrives à convaincre Benitez de te rencontrer. Oui, oui, David, je suis consciente que tout repose là-dessus. Et je veux aussi que tu saches que... tu es la femme la plus courageuse et la plus déterminée que j'ai jamais vue de toute ma vie. Écoute, ce gars n'a pas la moindre chance avec toi, j'en suis sûr. Je veux aussi que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi. Même quand tout ça sera enfin terminé. Et que t'auras retrouvé ta liberté. Je n'oublierai pas, David. Regarde. Tu veux que je mette le chèque à ton nom ou celui du porteur? Ça m'est égal. Felipe, tu peux te dépêcher de me donner le chèque. J'ai des millions de choses à faire aujourd'hui. Si tu veux, je peux te conduire quelque part. Non, non, c'est pas la peine. Tu ne veux pas me parler du business que tu vas ouvrir? Non, je te l'ai déjà dit. Avant que tout ne soit prêt et mis en place, je ne dirai rien. Je suis prêt à parier que ça a un rapport avec les bijoux. Tu as toujours aimé les choses qui brillent. Pourquoi tu mets autant de temps? Pourquoi? Tu sais quoi? Je m'en vais. Non, reste ici. Mais... tu ne vas nulle part. Bien. We'll be right back.
doit y avoir les clés de son appartement. Voilà les informations sur Benitez et l'adresse de l'appartement de Veronica. Natalia, fais attention. Natalia, tout va bien se passer. Je te fais confiance. Felipe, on va la mettre dans le van. Je pense qu'avec tout ça, ce sera suffisant. J'avais oublié qu'il fallait que je laisse la porte ouverte. Bonjour, Frankie. Magdalena. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je reviens tout juste de mon voyage. Je suis passée voir comment vont mes petites plantes chéries. J'ai aussi apporté un gâteau à Paulina et David pour les remercier de s'être occupés de mes plantes. Oh, qu'elles sont belles! On pensait que vous resteriez plus longtemps chez votre fille. Eh bien, me voilà maintenant. Ah, oui. Votre cousine et son mari ne sont pas là? Non, ils sont sortis et ils ne vont pas rentrer avant un moment. Oh bon, d'accord. Eh bien, dans ce cas, c'est vous que je viens voir. Je vais en profiter pour vous montrer la nouvelle recette du gâteau que j'ai préparé pour ma fille. Oh, et laissez-moi vous dire une chose, il est vraiment délicieux. Alors, comment ça se passe avec la préparation de votre mariage? Tout est fin prêt, j'imagine. En fait, Magdalena, le mariage a été annulé. Mon fiancé et moi avons eu une grosse dispute et, à vrai dire, ça s'est très mal fini. Donc je vous demande, s'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis ici, d'accord? Vous ne m'avez pas vue. C'était si grave que ça, votre dispute? Oui, je vais rester ici quelques jours. Enfin, je ne sais pas, j'espère que ça ne vous dérange pas. Non, bien sûr que non. Je suis vraiment désolée pour vous, Frankie. Je vais aller vous couper un gros morceau de gâteau rien que pour vous. Vous m'en direz des nouvelles! Moni, t'es sûre que Gabriella va bien? Ça fait un moment qu'elle est allée chercher à boire et elle est toujours pas revenue. Elle n'a pas eu le moral toute la journée. Mais c'est pas à cause d'hier. J'espère. Moni, je te jure, je m'attendais pas à ce qu'elle m'embrasse et je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Oui, je te crois. Ce qu'il y a, c'est que Gabriella ne se sent pas très bien dans sa peau en ce moment. C'est pour ça. Quel imbécile, mais quel imbécile! Je ne voulais pas la blesser ou qu'elle se sente rejetée. Je ne pensais pas que c'était aussi dur pour elle. Vraiment. Bon, il n'y a pas qu'à cause de ça qu'elle est mal. Ne va pas croire que tu es le centre du monde, hein? En réalité, sa mère est venue la voir. Disons qu'elles ont eu une grosse dispute, les choses ont empiré. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas trop le moral. Ok, je comprends. Écoute, je vais te demander une faveur et tu vas me dire oui. Ok? Cool, c'est bien. Merci. Monte à l'étage et demande à Gabriella de venir ici, s'il te plaît. Je ne peux pas partir d'ici sans lui expliquer ce qui s'est passé hier. Tu veux bien? Merci, merci beaucoup. Je t'attends là. D'accord, j'y vais. J'arrive tout de suite. De toute façon, t'as pas le choix. Ton père ne t'a pas dit que ça ne se faisait pas de laisser un invité tout seul au salon? Mon invité n'est pas tout seul, il est avec toi. Parce qu'on m'a enseigné les bonnes manières. Diego m'a demandé de venir voir si tu allais bien. Eh bien, dis-lui que je vais très bien, que je le remercie, mais que l'éclopée de service n'a pas besoin de pitié. Oh non! J'y crois pas! Combien de temps encore tu vas t'apitoyer sur ton sort, Gabriella? Jusqu'à ce que je m'accepte comme ça. Peut-être bien toute ma vie. Ça veut dire que tu donnes raison à ta mère, c'est ça? Regarde, tu vois? En fait, elle avait raison.
Tu ne seras jamais capable d'être une personne normale. C'est vraiment dommage, parce que tu vas finir toute seule. En fait, non. Tu vas te retrouver avec ta mère et elle va prendre soin de toi. Il ne s'agit pas de ça du tout. Ah non, de quoi s'agit-il alors? Écoute, tu sais quoi? La seule qui s'est trompée ici, c'est moi. Je pensais que tu étais beaucoup plus forte que ça. Les relations amoureuses sont tellement compliquées. Maintenant, ce que vous devez faire, ma petite, c'est attendre que les choses se calment un peu. Ensuite, vous pourrez essayer d'arranger les choses en parlant à votre fiancé. Écoutez, Magdalena, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger avec lui. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas lui dire que vous m'avez vue ici. Écoutez, Magdalena, je crois que le mieux, c'est que vous partiez. Pourquoi vous ne me dites pas la vérité? Qu'est-ce qui se passe, Frankie? Ce sont des choses personnelles. Est-ce que votre fiancé vous a déjà frappé? Est-ce qu'il vous a menacé? Je demande ça parce que vous avez l'air effrayé. Vous m'avez répété au moins 5 fois de ne pas lui dire que je vous avais vu. Oui, c'est quelque chose comme ça, Magdalena. Je n'ai pas envie que vous soyez impliquée, s'il vous plaît. Oui, mais vous n'êtes pas toute seule, vous m'entendez? Vous avez votre cousine, son mari, vous m'avez moi, et mon fils aussi, si vous avez besoin. Si je vois ce type traîner par ici, ne vous inquiétez pas, j'appellerai tout de suite la police. Non. Non, je vais à la salle de bain, maman. Excusez-moi. David, David, c'est moi. S'il te plaît, n'amène pas Véronica tout de suite. Il y a Magdalena qui est venue et je n'arrive pas à la faire partir. Et comment ça, t'arrives pas à la faire partir? Mets-la dehors tout de suite. C'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais je n'y suis pas arrivée. Tu sais comment elle est. Frankie, pour l'instant, on est dans la voiture avec Véronica. Débarrasse-toi d'elle tout de suite. Je ne sais pas comment, David. Essaye de venir. Je ne sais pas, mais fais quelque chose. Elle dit qu'elle veut appeler la police. Je suis en train de faire tout mon possible pour la calmer et pour qu'elle s'en aille. Et pourquoi elle veut appeler la police? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. En fait, j'ai été obligée de lui expliquer ce qui se passait avec Charlie étant donné qu'elle m'a vue ici. Mais écoute, tu sais quoi? Essaye de refaire un petit tour du quartier et pendant ce temps, je vais essayer de me débarrasser d'elle. Bon sang, qu'est-ce qui se passe, Santa Maria? Qu'est-ce qu'il y a? Moni, j'y vais. Gabriella veut pas me voir. J'y vais. Je pense qu'elle va rester dans sa chambre toute la journée. Le truc, c'est que... J'espère que vous m'avez au moins laissé un donut. Bien sûr que oui. Et pas qu'un seul. Je vais aller au magasin, je reviens tout de suite. On n'est plus des enfants, Moni. Pas besoin de trouver une excuse pour nous laisser seuls. En plus, Diego et moi, nous sommes amis. Écoute, je vais prendre les devants parce que je tiens à m'excuser d'avoir été aussi stupide hier. Pardon. Tu vois, Moni, tout va bien maintenant. Bon, alors... Au chocolat, ils ont l'air délicieux. Monica, Moni, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Gabriella. Ce serait sans doute mieux si on se pose et qu'on mette les choses au clair.
Allô. Salut, Lucia. Il faut que je parle à Camilo. Ah oui? Tiens donc. Et pourquoi? C'est pour lui parler d'affaires. Si tu ne me dis pas de quoi tu veux lui parler, je ne te le passerai pas. Lucia, c'est urgent, il faut que je lui parle, d'accord? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Quel genre d'affaires tu peux bien avoir avec mon mari? Il faut que je lui dise quelque chose de très important. Je me fiche que ce soit important. Si tu ne me dis pas ce que c'est, je ne te le passerai pas. Je te connais. Je sais que tu peux être une vraie harpie, Véronica. Je sais ce que tu lui veux et je ne te laisserai pas faire. Je te conseille donc de ne plus appeler ici. On est d'accord? Ou tu le regretteras? Différencie toutes les deux, Véronica. Vous êtes vraiment certaine de ne courir aucun danger ici? Je suis vraiment désolée si je vous ai donné cette impression, Magdalena. Mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Parce que sinon mon fils est très grand et très costaud. Oui, j'imagine, oui. Comme je vous l'ai dit, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai que ça m'a fait peur. Si un séjour je tombe sur votre fiancé... Ne lui dites rien, s'il vous plaît, Magdalena. Je vais faire ce que vous m'avez dit. Je vais attendre que les choses se calment pour qu'on puisse parler et arranger les choses. Merci pour vos conseils. Vous êtes une femme très sage. Bon, je vais vous aider avec les plantes. Oh, merci. Vous êtes tellement gentille. Santa Maria, la drogue fait effet pendant combien de temps? Pourquoi? Elle vient de bouger la tête. Tu crois qu'elle est en train de se réveiller? Espérons que non. Felipe? Comment t'as fait pour tomber amoureux de Véronica? Je demande ça parce que je la connais pas, mais je sais que c'est une femme qu'il faut tenir éloignée des gens. Mon mariage était en train de toucher à sa fin. Avec Natalia, tout a changé. Je pensais être retombé amoureux de ma femme, mais non. Je suis tombé amoureux de Natalia. Ça a été les mois les plus heureux de toute ma vie. Santa Maria, appelle Frankie. Dis-lui de se débarrasser de la voisine, sinon tout sera foutu. Appelle-la. Frankie, du nouveau? Déjà? Super. Laisse la porte ouverte et fais ton possible pour empêcher Magdalena de venir fouiner dans nos affaires. Felipe et moi, on est avec Véronica. On n'est pas loin. À tout à l'heure. On a le feu vert. Attention, par ici. Et par là, par là. Voilà, suivez-moi. Amène-la par ici. Mets-la sur le lit. Doucement. Voilà. Parfait. On a vu ses chaussures, Frankie. Qu'est-ce que t'as dit à Magdalena pour qu'elle veuille appeler la police, hein? Tu lui as dit quoi? Eh bien, elle a commencé à s'inquiéter que je sois là dès que je lui ai dit que mon fiancé m'avait menacé. Et comment t'as fait pour la faire partir? Eh bien, je lui ai dit que j'allais suivre ses conseils, que j'allais attendre que les choses se calment et qu'ensuite j'irai lui parler. Ah, et elle t'a cru? Oui, je pense que oui, mais il faut quand même que je fasse très attention. Aide-moi à la baïonner, s'il te plaît. Soulève-lui la tête, voilà. Frankie, il faut que tu fasses très attention à cette femme et que tu essayes de t'en charger. Mais Magdalena reste un problème, il faut qu'on fasse attention. Cette femme ne doit pas rentrer ici, c'est clair.
On y va. Gabriella, tu sais comme ça a été difficile pour moi d'apprendre pour toi et cet imbécile d'Arturo. Je n'ai pas envie d'en parler. Et moi, j'ai envie d'en parler. J'aimerais comprendre pourquoi. Un jour, tu veux faire l'amour avec moi, et le jour d'après, tu le faisais avec Arturo. C'est à cause de toi. Quoi, à cause de moi ? Évidemment que c'est ta faute. Tu crois que j'étais bien quand tu m'as repoussée, hein ? Tu crois que j'ai pensé quoi ? Que je ne te plaisais pas ? Hier aussi, quand j'ai voulu t'embrasser, tu m'as regardée comme si j'étais une extraterrestre. Non, non ! Ça, c'est différent. Différent ? Différent de quoi, dis-moi ? Ok. Pour commencer, si j'ai pas voulu faire l'amour avec toi, c'est pas parce que tu me plaisais pas. C'est parce que j'étais fou de toi, Gabriella. Et c'est pour ça que j'ai préféré qu'on ne fasse pas l'amour à ce moment-là. Parce qu'on n'avait pas réglé ton problème de virginité. Et que c'était justement pour ça que tu ne voulais pas être avec moi. Ça, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, Gabriella. Tu me croyais assez stupide pour ne pas me rendre compte de ça. Dans tous les cas, je voyais bien que notre relation n'allait nulle part. C'est là qu'Arturo est arrivé et je suis tombée dans le piège. Explique-moi pourquoi. Je ne sais pas, Diego. Parce que j'ai sûrement dû perdre confiance en moi et... Et je devais être une proie facile pour un mec comme lui. Est-ce que Véronica va se douter de quelque chose ? Elle va se rappeler qu'elle était dans ma voiture, que je lui ai flanqué un mouchoir sous le nez qui lui a fait perdre connaissance. Ça veut dire que quand elle se réveillera, elle saura que c'est toi qui l'as kidnappé ? Oui, Frankie. Elle saura que c'était lui, mais elle ne saura pas où elle est, ni pourquoi il a fait ça. Oui, David, sauf que quand ils se feront arrêter, elle va accuser Felipe. Mmh. Et ils la prendront pour une folle parce que, tu vois, sa voix est dans l'enregistrement qui incrimine Benitez et elle. Alors qui va la croire ? C'est Véronica. Felipe, il faut que tu ailles au centre commercial pour récupérer ta voiture, non ? Oui, c'est ça. Mais avant, il me faut un café. Deux. Tu veux bien nous préparer du café ? Moi ? Oui, c'est toi qui fais les meilleurs cafés. Et vous avez des nouvelles de Natalia ? Tu attends quelqu'un ? Non, personne. Salut, Lucia. Bon sang, qu'est-ce que tu viens faire dans ma maison ? Et je t'ai dit qu'il fallait que je parle à Camilo et c'était urgent. Et tu ne te souviens pas de ce que je t'ai répondu au téléphone ? Il est là, non ? Ce ne sont pas tes affaires et tu ferais mieux de t'en aller. C'est mon amour ! Véronica ? Elle a insisté pour parler avec toi de quelque chose de très urgent. Je suis désolée d'arriver à l'improviste, mais j'ai appelé sur ton téléphone, mais je ne sais pas pour quelle raison tu ne répondais pas. Est-ce qu'on peut parler ? Avant, tu vas me dire de quoi tu veux parler avec mon mari. Je ne savais pas que cette femme était impliquée dans tes affaires. J'ai besoin de demander une petite faveur à Camilo Lucia. Est-ce qu'on pourrait en parler ? Allons dans le salon dans ce cas. Thank you.
Et quelle est cette faveur que tu veux demander à mon mari? Je suppose que c'est ce dont tu m'as parlé l'autre jour. Et que tu cherches du travail. Ah, tu as besoin d'argent. À ce propos, comment ça va ta vie de divorcée? Est-ce que tu as déjà jeté ton dévolu sur un nouveau candidat? Evie McKay.